Salut les amis et bienvenue donc sur mon sixième épisode tutoriel FM, donc pour le guide pour bien débuter dans Valheim. Enfin, ça va plus être que du bien débuter hein, parce qu'on avance dans cette aventure. On est déjà en stuff, on est en quoi là? On est en fer, hein, c'est ça? En stuff fer, ouais. Ah, ouais, on est en fer, hein. Un moelle, je sais. Et donc, j'ai fait un tuto dernièrement donc sur la construction dans Valheim. Et regardez-moi du coup, hop, la belle maison. Alors, on a commencé à la décorer de façon un peu badass, hein, si vous vous rendez compte. Donc, on a même une tête de serpent de mer avec des petites bannières, des petits boucliers. Je vais vous faire visiter un petit peu l'intérieur, hein, des petites décos toutes simples. Mais qui vont vous améliorer votre confort. Oh, regardez-moi ça, j'ai mis des têtes de biche, des boucliers, des bannières, donc qui sont importantes. J'ai rajouté, bon, j'ai mis un peu plusieurs établis, des tapis au sol, très très important pour avoir nos conforts, des petites chaises, des trônes, bref, tout ce genre de choses, hein, vous avez plein d'accessoires qui font que vous augmentez votre confort en haut à droite. Et du coup, là, on était monté à combien, à je sais plus combien de minutes de en forme. Ah oui, 19 et ouais, là, parce que là, en fait, on était confort... là, je suis 12, là, confort 12, quand je me rapproche des trônes. On est en confort 12, donc ce qui est plutôt pas mal. On peut encore monter au-dessus, hein, avec des pots de loup, avec des choses qu'on aura plus tard dans l'aventure. Mais pour l'instant, les amis, il va être l'heure, donc, de préparer des potions. Et anti-poison, parce que nous allons attaquer le Mazdos. C'est comme... une de ces choses, c'est qu'il nous empoisonne, donc on va lutter contre ça, voilà. Et également, très important, se faire une massue en fer, parce que le Mazdos n'aime pas ce genre de dégâts, hein, donc du coup, on s'est armé de massue, voilà. Alors, pour l'instant, on va aller préparer les potions, c'est parti. Alors, nous allons faire notre petite potion magique, hein. Voilà, donc c'est ça, résistance au poison. Donc il faut 10 de miel, 5 charbon, une queue de nyx et 10 de charbon. J'ai tout le matériel nécessaire. Donc c'est parti mon kiki, bleu bleu bleu. Nous allons faire notre sorcière de base. Voilà, donc du coup on a effectivement une base. Où est-ce qu'elle est la base? Elle est là. Résistance au poison doit être fermentée. Alors du coup, on a un petit baril prévu à cet effet. Bim! Et donc on va les laisser fermenter tranquillement. Déjà, non pas déjà, c'est pas possible. Vas-y, doit être fermenté. Pourquoi il n'en veut pas? Ah, quand même, résistance au poison. Oui, très bien, très bien. Voilà, on va la laisser fermenter, crotte. Je brûle, moi, le soleil. Voilà. Et donc, du coup, on va laisser faire ça tranquillou. Et on se retrouve donc juste après, hein, les amis, pour aller attaquer ce Mazdos. Mais il est loin, dis donc, il est super loin. Oh là là, on a une grosse expédition à faire. Il est où? Oh là là, il est très très loin. Il est très très loin. Bon bah, une grosse expédition à faire les amis. On va se préparer un portail. D'ailleurs, hein, il va falloir aussi qu'on se fasse une salle de portail, hein, parce que là ça commence à être un petit peu le brin pour se promener chez nous. Bon, peut-être pas là tout de suite, hein, et encore, si, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va voir. Alors, je vous ai pas montré également autre chose en attendant. C'est que j'ai fait un tailleur de pierre. Voilà, c'est ce qui m'a permis de fabriquer ces petits escaliers-là. C'est ce qui m'a permis également de construire donc le gros feu en pierre, hein, au milieu de la maison qui est là. Vous voyez, quand j'appuie sur 5, tac. Donc effectivement, quand on arrive en construction, on a accès maintenant à la pierre. On a même accès à un gros portail en fer comme ça, qui peut servir pour la défense de notre village, hein, et on va pouvoir commencer à faire des choses en pierre. Donc ça va être assez sympa, mais on fera un tuto spécial pour ça, et en particulier aussi avec les poteaux en fer, hein, qui vont nous permettre de pouvoir monter relativement haut en construction. Voilà, donc là j'ai fait une forge, et là on a le fameux tailleur de pierre, hein, qui est ici, donc à cet endroit là alors évidemment, hein, on peut juste faire une roue à aiguiser. Je crois que ça sert pour les upgrades, hein, c'est ça. La roue à aiguiser, c'est pour augmenter. C'est pour upgrade la forge. Voilà, pour upgrade la forge. Bon, on pourra la faire, hein, d'ailleurs. Et puis voilà. Alors, bah, d'ailleurs, on va la faire. Il faut juste un peu de pierre. Et puis, bah, on s'occupe de ça, les amis. Et puis, on se prépare un portail pour aller chasser le Mazdos. Bon, on s'est fait les potions de poison, les amis. Hein. Vous voyez, je l'ai mis en 8 là, comme ça. Et on s'est fait un harpon également, parce qu'on a été chercher de la chitine, donc qu'on trouve sur les petites îles. Et donc, Alp s'est fabriqué un harpon. Et on est en train de tester sur les bébêtes. Voilà, c'est quand même assez drôle. Il fait froid.
Attends, arrête de courir, arrête de courir, jouet. Attends, arrête de courir. Est-ce qu'il me touche là? Il peut pas me toucher. Et bim! Je pense avec le Mazdos, il y a quelque chose à faire. Je sais pas ce que t'en Oui. penses. Ouais. Il y a quelque chose à faire. Bon, on va voir ça, on va voir ça. Bon, en attendant, du coup, on a énormément de trajets. Hein. Puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'aîné, ici. Et puis, on va aller en bateau. Oh, on a une sacrée. Et tu sais qu'on en a pour un sacré moment à aller là-bas. Hein. Et en attendant. Et. Attends, il fait nuit ou. Ah oui, on s'est pas encore couché, c'est ça? En crotte. On va Oui. aller se coucher. Et regardez, j'ai fait un petit abri vite fait pour les portails. Hein, on va faire. Magnifique. Voilà, c'est un petit abri vraiment vite fait. Hein, mais au moins, ils seront pas en train de traîner partout. Un tout petit peu de terraforming, et c'est bien. Alors, on va faire un petit dodo, et c'est parti pour l'expédition. Eh hey, Moussaillon, vous avez préparé le harpon! Oui. Ah super! Et nous voguons vers le Mazdos, les amis. Regardez un petit peu, là on est là. Pour l'instant, on est parti de l'aîné. Ah, ça fait un petit tour de l'île qui est en forme de haricot là. Et nous avons encore beaucoup de voyages. Et peut-être des aventures, peut-être des serpents de mer. Ah, c'est cool. On a installé donc le portail dans un marais, dans une tour. Comme ça, on est à l'abri avec moi le Psounet. Je sais pas où. T'es sorti déjà? Oui, je viens de tuer un drogue qui était Ah, devant d'accord. chez nous. Donc, on a pris du repos, on est rentré à la maison. Voilà, on n'a plus qu'à bien se nourrir. Très important avant d'attaquer le Mazdos. Alors, où est-ce qu'il est le bignou? Il est par là-bas. Il est par là-bas. Donc, bah, j'ai envie de dire en avant Guingamp. Hein, moi, le Allez. Psouné. Allez, on va se rapprocher de la bête. Tranquillement, moi, je garde toute mon énergie. On casse le spawner devant nous aussi avant. Oh, oh oui, je l'avais pas vu, dis donc. Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Hop là. Oui, ça évitera d'avoir des inconvénients. Oh, le squelette, une étoile, j'en ai mis. Oh, j'en ai mis juste une. Oh, le pauvre squelette. Ah, oh, il y a un drogue, une étoile. Bon, il aime pas trop la masse non plus, apparemment. Hein. Tu cours. Il fuit, il a peur de nous. Bien sûr. Allez, les entrailles. Les Saucisse. saucisses. Saucisse. Allez, qu'on éclate ce Mazdos et qui nous donne son petit cadeau. Oui. Hein, c'est ça qui nous intéresse en fait, surtout pour passer à l'étape d'après, les Oh. amis. Qu'est-ce qui se Il est passe? infernal ce spawn. Ouais, j'avoue qu'il est un peu. Il est à moitié dans l'eau là, il est très bizarre. Il va nous saouler le truc. Hein. Bah de toute façon, faut qu'on soit au corps à corps avec lui. Hein. De toute façon. Oui, Donc je vais le bon. harponner. Ouais, puis tu vas le coincer dans la forêt, puis on va le tabasser à coups de masse. Ah regarde, je peux me mettre ici et l'harponner. Ah, pas mal. Alors, petite astuce que j'ai fait pour augmenter la masse. Vous tapez même sur du zéro, vous tapez sur n'importe quoi, les amis. Sur un arbre. Voilà, genre sur un arbre, hein, comme ça, et puis bim, et bim. Alors même si ça fait zéro dégâts, vous allez augmenter votre compétence à la masse. Donc c'est une petite C'est astuce. ça. Est-ce que mon bouclier va me servir à quelque chose? Ouais, je pense. Hein. Oui. Hein, donc, Oui, de toute façon, potion de poison. Ouais. Et puis voilà. Bon, t'es prêt? Allez, J'offre c'est les parti. objets. Alors Yep, attends, et c'est puis tu bois ta des popo. encens. Hein. Attention, et... Bim, vous offrez le sacrifice. Bon, je me recule un peu quand même. Il va arriver là, tiens. J'ai encore du poison. Je crois qu'il est assez balèze, hein, le masse dans ça. The mass is moving. Ah oui, il essaye de Line lancer ce truc. Oh, puis line lance. broken. Voilà. Bon, faut que j'aille au corps à corps, hein. Ah, il lance les blocs Oui. par contre. Oh, je vois rien. Ouais, t'as le poison là. Ah, puis je suis dans l'eau en Ah, plus. Harpooned, c'est bon. Tiens, regarde. Ah, Voilà. super. Là, il est bloqué, il pourra plus jamais bouger. Ok, ouais, mais est-ce que je peux le taper dans l'eau? Oh là. Oh, j'ai bloqué. Oh là là, attends, il m'a baissé à 40 points de vie, 37. Ouh, je vais quand même pas mourir quand même. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce Vince? C'est le blob qui m'a fait si mal, c'est quoi? Attends, faut que je remonte en life. Purée, je pensais pas quand même. Puis il y a le blob qui va nous saouler là.
Non mais là, là c'est surtout le setup qu'on a, il est cancer à cause de... à cause du fait qu'il soit à moitié dans l'eau. Ah puis y'a un drain qui me tire dessus, putain faut que je... J'ai plus que 27 points de vie. J'ai envie de lui tirer à l'arc dessus, le blob ça lui fera mal quand même. Et ça lui retire quand même un peu de vie. Faut attendre qu'il tape, qu'il se retourne. Attends, faut attendre qu'il fasse son attaque de brin là. Il a repéré, je crois que j'avais presque plus de vie. Hein. Là. Tu sais pas, je vais lancer mon pouvoir avec tir. Déjà, ça me fatiguera moins. J'ai presque plus de vie, moi, depuis là, je suis à 16. Oui, c'est le poison. Ah bah là, je pensais que le poison, tu vas mourir. J'ai bu ma potion, pourtant. J'ai un blob derrière moi. Ouh là là, c'est pas si facile. Je peux pas boire du poison pour le moment. En attendant, je peux toujours lui coller des flèches. Attention, il va faire un S avec du poison. J'avoue que l'endroit où on est, c'est pas top. Hein. Ah, le setup qu'on a, il est nul à chier. Il n'y a pas d'autre mot. On n'a pas de... On n'est pas très très bien placé. Il est où? Ah, il est là-bas. Il est là, il est là. Ouais. Il essaye de me faire tomber des arbres dessus. Ouais, ok. Je suis en train de lui envoyer des flèches, je lui enlève un petit peu de vie à chaque fois. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Trophée de blob. Bien. Super. Je suis content. Je suis sûr que t'es content. Tant qu'on se soit pas fait des masses pour rien. Mais là, faut vraiment que je remonte en vie parce que je suis vraiment super. Ouais, temporise. Attends, il est où Bini? Je le vois pas. Il est sur moi. Ah ouais, ça y est, je le vois. J'ai joué avec les arbres. Ouais, c'est ce qu'il faut. Je commence à récupérer, je suis à 80 de vie. Ok, parfait. Vague de poison. Ouais. C'est chaud là, quand même. Il va acheter des blocs sur moi. Hop. Il nous embête avec ces blobs lui, hein. Espèce de blobeuse. Ouais. Je peux peut-être aller derrière lui, j'ai 108 de points de vie. Ouais, vas-y. Recule. Vague de poison. J'ai encore une minute 39 de anti-poison. Bois dans une. Je peux pas, je crois qu'on peut pas aller... Ah non, on peut pas, oui, on n'a pas le droit. Hein. On peut pas aller faire de la surconsommation. Bon, déjà, on lui a fait quand même mal à la masse. Poison, on recule. Ouais, attention à toi. Je sais pas ce qu'il va me lancer là. Et j'avoue que là où est-ce qu'on est, on n'est pas super bien placé. Hein. Ouais, c'est clair. Espèce de masse d'os là. C'est plutôt une masse de je sais pas quoi là. Oh là là, oh là là. Poison. J'ai d'autres soucis pour l'instant. Voilà, j'ai fait masse. Tiens, prends ça dans tes dents toi. Si c'est vrai qu'il est couvert de... Moi bon, je garde l'agro hein. Ouais ouais ok. Bah je vais venir. Je vais venir au corps à corps derrière. Ah ouais, il essaye de faire tomber les arbres. Attention, il a acheté des trucs sur toi. Vague de poison, recule. Ouais. Oh purée. En fait, il me balance des squelettes. Oh, puis il y a un blob. Oh. purée. Je suis empoisonné quand même. Hein. Combien il me reste d'un petit poison? Oh, je peux en prendre une. 8. Ouais, pareil. Paf. Je l'ai pas pris. Pourquoi?
Ça y est, je l'ai prise. C'est bon ? Ouais, ouais, ouais. Vague de poison. Mon arc est vachement abîmé. Allez, des dégâts à l'arc. Ça va faire plaisir, ça. C'est ça le problème quand on change d'arc. Après, il y en a un qui tire très bas, l'autre qui va bien droit, l'autre qui... Tu vois. Ça va, tu t'en sors. Ouais, j'ai raté ma parade, donc je fais 30 de dégâts. Poison, règle de poison, pourquoi. Bon, allez, on lui a viré les deux tiers de sa vie, déjà. Dégâts, plus 10 dégâts, il y a beaucoup de dégâts à la fin. Je vais attendre qu'il revienne. Il est bloqué? Je sais pas. Ah non, j'ai cru. Bon, étonné. Poison, recule. Attention! Faut que je récupère mon énergie, un truc. Faut que je mange. Il a acheté sur toi. Un seul. Oh, j'ai l'impression que tu te battais tout seul là, mon pépère. Oh là là. Allez. Plié. On lui a mis quelques coups là. Oh là, attention. Ouais. Oh là. On commence à être pas mal. Pas de manger. On dit pas de manger. Ouais, c'est fait, c'est fait. Mais il est sur toi là. Ouais. Va pas trop dans le poison, fais gaffe à ta vie. Hein. Heureusement qu'on avait les potions anti-poison, parce que sinon, dis donc, il est quand même bien. Oh purée. Il est énervé là, hein. Là il est énervé sans la fin approcher. Oh, il nous balance un blob et puis des machins. J'ai freeze. Reste au cac, hein, on peut le terminer. Attends, il est mort, c'est bon, il est mort. J'ai un blob qui est en hauteur là. Oh purée, il est là. Oh, on est dans la truc vert là, on est dans la verdure. Ouais, sort du poison. Oh purée. Oh bah mon Epsune. Oh, et bah voilà. GG. Bon, t'es... il a détruit la forêt, mais, oui. Mais c'est ok. Attends, il est où son loot? Voilà, trophée Masdos et bréché. Ramasser, attends, t'as les bréchés? Je vais jeter ça. Ah, ça je les ai ramassés. J'ai le bréchet, j'ai eu un bréchet. Ah ouais. J'ai le trophée, moi. Ah, vous allez voir à quoi ça sert, ça, les amis, c'est super. Et moi, j'ai. Moi aussi, j'ai un trophée. Ah non, c'est un trophée de blob que j'ai. Tant les têtes de mort, on s'en fiche. Les gadous, hein, ça sert à rien. Ça sert. Oui, voilà. C'est pour les bombes puantes. Vas-y, fais péter le trophée du Masdos. Tiens. Qu'on se le partage, hop. Qu'on voie. Ouais, trophée de Masdos, vous allez voir. On va l'accrocher ensemble. Ouais, bah, j'ai. On a le même bouclier, mon Alpsounet, c'est normal. On fait partie du même clan. Le clan viking. J'allais dire presque père et fils, mais pas loin. au niveau des âges, c'est valide. Oui. Allez, nous approchons, les amis, des pierres sacrificielles. Ah, c'est super. Et donc, sur une magnifique musique et sur un massacre de sangliers. Nous allons accrocher le Masdos. Alors le Masdos, il est ici. Bim bim bim. Il y en a un qui est pas content. T'es prêt? Allez, on va se l'accrocher. Allez. Et pan. Voilà. Alors ça c'est super, regardez bien. Modificateur de dégâts. Contre tranchant, coupant et perforant. Ça c'est vraiment en cas de gros combat. Je peux vous dire que c'est super. Alors quand vous êtes plusieurs, vous pouvez cumuler. Vous pouvez cumuler les pouvoirs. Admettons que Alps, lui, peut continuer à lancer le Hectir, hein, donc qui diminue de 60% notre consommation d'énergie et tout ça. Donc c'est super si on court ou si on saute. Et un autre en tag combat qui lance le Masdos. Hein. Donc c'est vraiment super. Bah, moi, je pense que je vais le prendre. Et là où Masdos est extrêmement important, c'est dans un biome qu'on verra plus tard. Voilà. On le dit, où effectivement il y aura beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Tranchant et perforant, voilà. Ce sera ultra important. Mais dis donc, moi, Alpsounet. Bon, on a encore des choses de la déco à faire, mais ça, on va pas les filmer. C'est plus la partie amusement, c'est moins une partie tuto. Mais ce qui est bien, c'est le bréchet. Le bréchet,
En fait, on va aller dans les montagnes et vous allez voir que grâce à ça, on va pouvoir détecter de l'argent et pouvoir avoir accès à de nouvelles sources de nourriture. Et pas de, enfin, non seulement de nourriture, mais surtout de... surtout des nouvelles sources pour se faire des nouvelles armures, etc. Donc, bah pour vous, ça sera instantané. Nous, on va prendre un peu plus notre temps. On va s'amuser un petit peu, continuer des petites décos pour avoir plus de confort, des choses comme ça. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Allez, on rentre à la maison. Et... Ah, l'aube arrive, les amis. Et oui, le soleil se lève. Et nous avons préparé des potions. Alors, je vous montre quand même dans le chaudron. Ma crotte. Oh, j'ai un petit freeze. Attends, du feu. Voilà. Donc, dans le chaudron, nous avons préparé. Voilà, résistance aux givres. Donc, il vous faut tous ces ingrédients-là. Donc, les poches de sang, hein, ce sont les. Je les appelle les litchis, mais. Ce sont... les sangsues. Les sangsues, hein. Donc, bon, des, un œil de nagri. Alors, des chardons, on en prend plein. Et du miel. Donc, on avait tout. On les a mis après, donc, les potions dans le fermenteur qui est derrière moi. Et ça nous a donné 3 chacun, hein, donc de l'hydromel de résistance au gel. Et donc nous allons partir à cette montagne qui est tout là-bas, là-bas. Donc là on va y aller à pied tranquillou, mais on a quand même préparé un portail à l'avance avant de partir, hein, bien sûr. Que nous avons appelé montagne N pour montagne nord. Donc on part avec mon ami Alpsune à l'attaque de ces montagnes et on se retrouve là-bas. Et vous allez voir les premières choses à faire quand vous arrivez en montagne. Dis donc, ça pèle, hein, mon Alpsune, là. Ouais. Allez, attends, je me prends une petite... voilà. Très bien, j'ai pris une résistance de froid. Histoire qu'on ne gèle pas sur place. Oh, dis donc, c'est fort, hein, par contre. Hein. Ouh là là. Au goût, là, ça pique les papilles, hein, ça. Allez, donc, du coup, on va se trouver une petite structure pour installer notre portail. Et puis dès qu'on peut trouver des loups, et ben écoutez, ça serait vraiment bien. J'aime bien la musique change, quand on change de biome. Ouais. Et ouais, si on peut trouver des loups, ça serait super. Alors en montagne, surtout gardez bien votre endurance, ça c'est vraiment important. Parce que vous allez avoir besoin pour monter, pour sauter, par exemple. Loup, derrière nous, ça spawn. Oh, super, un loup. Alors ça c'est la première chose à chasser en montagne. Il est où? Ils sont partis derrière le petit caillou là. J'en vois deux. Je vais tanker. Oh bah je vais attaquer. De toute façon ils sont fragiles hein, les loups. Hein. Ouais. Super. Alors les loups sont très importants à chasser les amis. À gauche. Très très nice. Important à chasser pour leur peau. Parce qu'avec leur peau vous allez pouvoir faire... Oh t'as vu il y a de la viande même. Cru. Ils vont vous permettre de chasser, d'avoir des manteaux. Alors là, attends, non, je crois que c'était de l'obsidienne. Faudra que je montre l'obsidienne. Ça a une cape. En fait, vous avez plusieurs façons de résister au froid. Vous avez soit les potions, soit la cape, voilà. Donc la cape de loup, soit la tunique du loup, soit la cape de l'ox. Mais la cape de l'ox, c'est... Ouais. C'est dans les prairies, c'est beaucoup plus dangereux. Donc pour l'instant... C'est ça. Voilà, on est en montagne, chaque jour suffit sa peine, hein. Ça sera pour après les prairies. Mais donc pour l'instant, on va chasser quelques loups, les amis, et dès qu'on voit de l'obsidienne, si tu vois de l'obsidienne, qu'on leur montre un petit peu. Faut aller un peu plus haut pour l'obsidienne. Oui, il faut monter un peu plus en hauteur. Et on se retrouve dès qu'on en trouve pour vous montrer les flèches qui vont... On va passer aux flèches en obsidienne qui sont d'excellentes flèches, qui sont largement au-dessus des flèches en silex. Allez, regardez les amis, dépôt d'obsidienne, alors ça, il faut prendre absolument. Voilà, on va les miner, et c'est pas les meilleurs, mais parmi les meilleures flèches du jeu. Il y en a encore un petit peu ici, j'ai vu. Ils sont assez facilement reconnaissables, hein. Vous voyez, il y a des petites rainures noires ouais, dessus, dans le dépôt. Là, comme ça, on les voit bien. Puis quand vous passez votre curseur, hein, de toute façon, ça vous marque. Alors, j'en ai déjà 10, ouais. Mais on peut en prendre, hein. On peut en prendre vraiment beaucoup. Voilà, travail d'équipe, je kiffe. C'est beau. Oh, regardez les amis, qu'est-ce qui arrive là? Un drac. Voilà, alors, faut pas en avoir trop peur, ils sont pas trop violents. Il faut attendre juste qu'ils se stabilisent. Paf, et là, voilà. Et donc là, on peut leur tirer dessus. Ça sert à rien de leur tirer trop dessus à l'avance.
faut juste éviter un peu leur truc de givre parce qu'ils vous givrent et c'est embêtant. Voilà, mais bim, comme ça, et puis on va finir par l'avoir. Alors, Alps, s'il arrive à les avoir en vol, moi j'ai un peu plus de mal. Tiens, bim, et voilà. Ouais, et voilà, un drac. Oh, très bien. Et donc, du coup, nous avons de la glande gelée. La glande gelée, Alpsounet, tu peux dire, qui sert à faire des flèches. Voilà, gelées. Des flèches qui gèlent, qui. Donc. Enfin, vous allez voir, avec l'obsidienne. Voilà, et effet intéressant, les flèches gelées, parce que bon, ça immobilise la cible pendant un très, 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 très court instant. Oui. Mais ça peut vous permettre de temporiser tir à l'arc, voilà, tout reculant. Au niveau de, la cible, stamina. Ne vous rattrapera jamais. Ouais, au niveau de votre énergie, hein, de votre endurance. Yep. Donc, ça, c'est bien. C'est bien. Oh, le pauvre drac. Regarde. Oh, oui, le brécheur, il s'active, moi aussi. Vous gelez. Oui. Pour boire un coup. Toi aussi, il faut que tu bois un coup. Ah oui, ben j'avais mes effets qui. Ça arrive souvent que ça baisse. Ouais, on est au-dessus. Hein. On est au-dessus, hein. Je pense que c'est là. On va le trouver, les amis. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh. Ah, bah non, regarde. C'est ah, pas... c'est une tombe. C'est une tombe. Ce n'est pas un. En plus, on aurait pu totalement deviner. Hein. On t'a mis un coup de pioche sur la tête. De bique. On est retourné un tout petit peu à la maison. Et je vais vous montrer la différence, les amis. Vous allez voir. Voilà, donc des flèches comme ça. Donc perforant, on est à 27. Hein. Et si on fait des flèches en obsidienne, perforant 52. Il y a une différence qui est absolument phénoménale. Donc là, alors là, faites-vous plaisir. Dès que vous avez l'obsidienne, c'est vraiment important. C'est vraiment important de passer aux flèches en obsi. Donc là, moi, je vais me faire plaisir. Et je vais m'en faire un gros paquet. Et on va pouvoir retourner. Pour chercher donc de l'argent et pouvoir se faire des tenues appropriées. Oh là là, c'est quoi cette grosse bête là? Il y a un golem de pierre qui nous attaque. Ils sont balèzes eux, hein. Il a démonté le drac. Il a tué le drac. On le voit pas bien avec la... En plus, on a plein de tempêtes de neige. Heureusement qu'on a pris des flèches. Je le vois pas bien. Il, y a de il est là, il est là, il est là. Il y en a deux, il y en a deux. Mais oui. Purée. Je vais pas m'embêter, hein. J'en ai attrapé un, je l'ai harponné, je vais balader en bas et puis nique. Je vais rester en bas. Attends. T'as cassé ton. T'as voilà, cassé ton harpon. Oh le harpon. Genre avec un harpon, t'arriverais à le. Ah, puis l'autre, il remonte l'autre. Comme s'il garde. En fait, il garde la maison, quoi. Viens là, toi. Vénère. Non, viens là. Attends, je lui fais mal quand même avec mes flèches. Hein. Puis il y a l'autre qui revient. Je te jure. Il est. Tu le tires, tu les redescends. Oh purée. Oh purée, c'est quand même un peu tendax ça quand même. Oh, j'ai plus d'énergie. Ils ont pas l'air contents, hein. Ils arrivent à monter là. Moi aussi je déclenche le pouvoir. Hein. Tu l'as eu le pouvoir. Hein. Non. Quoi? Oh mais non! Je suis mort. T'as one shot? Oh mais il m'a one shot avec sa masse. Un coup je suis mort. Bon, bah en attendant, je suis près du feu les amis, à moitié nu, comme vous pouvez le constater. Mais il fait bon par chez nous. On a quitté ces montagnes gelées. Pendant que le Alpes sous les sauvages se bat contre des golems de fer. Ah, par là. Ouais. Oh, c'est où t'es ? Ouais, là on est bien là. Donc ici, il y a de l'argent normalement, les amis. Normalement, hein. Ouais, là. Ici, là. Super, regardez, Silver Vein. Génial, on a de l'argent. Alléluia. Avec ça, on va pouvoir faire plein de trucs, vous allez voir. Il y a eu du changement. Regardez, alors, en attendant que nos potions de froid se mettent, ici,
On s'amusait avec Alpsa à construire un petit portail, un petit peu, à ranger un petit peu l'escalier en pierre qui était un petit peu moche à cet endroit-là, parce qu'on attendait que les potions finissent de fermenter. Et j'avais poussé un arbre, vous avez vu? Regardez-moi ça, s'il est beau, il est juste trop magnifique. Oh, c'est super. Attends, je me prends une petite vue lointaine. Et je suis vraiment content de ce que ça donne. Ça fait le grand arbre. Il est vraiment grand et il est vraiment chouette. Non, ça fait super, je suis très content. Alors, moi, le Tsuné a commencé à faire cuire l'argent, les amis. Je vais pouvoir, oui, c'est sur l'établi normal, enfin me crafter la cape en fourrure de loup. Puisqu'il faut 6 pots de loup, 4 d'argent et vous allez voir, en plus, elle est badass. Elle est vraiment ouais. Badass. Je la trouve vraiment jolie, la cape en pot de loup. Regardez bien. Pourtant j'ai encore une. Attends, il faut l'améliorer. Hein. Oh, on est beau, moi, le Psounet, on est beau. Allez, bon, je vais nous crafter un tapis de loup et puis ça va être super, on va gagner. Parce que les tapis, à savoir pour le confort, c'est pas comme les trophées ou ce genre de choses. Plus c'est les tapis, ça marche. Si vous mettez un tapis de peau de lox, un tapis de peau de zèbre ou de je sais pas quoi, un tapis de loup, et ben ça augmente. ça va vraiment augmenter le confort. Donc du coup je vais faire ça. Voilà, comme ça. Waouh, super. Et là effectivement on est passé en confort 13, les amis. On est à confort 13. Ah, c'est super. Et puis on aura encore plus de temps. Et 20 minutes de forme. C'est magnifique. Hey, Alps, tu es beau. C'est parfait. Tu es beau. Ah, Alps. Toi aussi. Ah, super. Et voilà, les amis. Donc, j'espère que cet épisode vous aura bien plu. Nous, avec Alps, on va partir, retourner dans les montagnes pour refarmer encore un petit peu d'argent, histoire de se faire une belle armure en argent, bien costaud, des boucliers et tout ce qui va bien. En attendant, prenez bien soin de vous et on vous donne rendez-vous sur deux prochaines aventures du guide pour bien débuter dans Valheim. Bisous à tous les amis. Bisous.